DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala. Pour le service sur DigiLink, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur DigiLink.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, la deuxième partie. Le vrai modérateur parle d'une nouvelle démonstration de force de l'UDPS, union sacrée pour la refondation de l'action gouvernementale. On a vu sur terrain beaucoup de partis politiques, l'AFDC, débattu Lukwebo, on a vu beaucoup de partis politiques finalement accompagner cette marche-là. Le même jour, il y a eu aussi un affrontement avec les jeunes de PPRD. Moi, je crois que la violence, je la condamne en tout cas. On n'avait pas besoin de gazer ces gens, on n'avait pas besoin de les embêter, on n'avait pas besoin de les bousculer. La police avait tous les moyens nécessaires de calmer la foule sans tirer. Je ne suis pas d'avis avec ceux qui pensent que, comme on tirait à l'époque, il fallait qu'on tire aussi. Je ne suis pas dans cette condition-là. La police ne venge pas. Donc, la gouvernance, ce n'est pas pour venger, c'est pour arranger. Parce que le mal reste le mal, même s'il est produit au paradis, ça reste le mal. Mais ici, il faut seulement ne pas sortir d'un écart, d'un excès. Il ne faut pas sortir, Nabek. Vous savez, quand vous avez été longtemps bourreau, il ne faudrait pas que vous puissiez à tout moment sauter sur l'occasion pour accuser les autres de mêmes actes que vous étiez en train de faire. C'est très dangereux. Parfois, il faut juste se taire et laisser les autres prendre compassion pour vous. Mais vous ne pouvez pas, vous, en même temps, vous savez qui bat ma bé, vous allez battre à tout moment, le lobe à bête, il y a un gang. Non, à un moment donné, il faut vous dire, battez le lobe à bête. Et c'est le basico que dans un accord tel le basali bandeau pas perdre, ils auraient pas dû banga bête à bangoté. Mais bangonde va quoi l'obatté? Le bon besoin niveau on a bangonde va quoi l'obatté que non? Ils ont des mots, ils ont dictature, gaz. Bino besoin gaz, mais aussi y a koufa. Bino besoin de gaz, mais nous on a koufa ou on a boué, a koufa. Moi le mouvement besoin gaz à haute pensée longue, ah longue. Mais bah tout ma prêtre église catholique, bah tiens bah teka. Pas pour la balayer ma pâté, mais pour la éco mais le bon problème n'est long. Bah bah besoin de gaz. Donc il faut pas vous moquer des gens en fait. Bobo, se moquer dans la tête. Ça me rappelle encore l'image de M. Kalev, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Pendant la marche, il a dit non, c'est la dictature. C'est la dictature. Bon, passons seulement. Malgré l'ultimatum des combattants de l'UDPS, Tshisekedi et Kabila ne franchiront pas le Rubicon. Bon, madame, une dame, je crois, de la présidence, a bien dit que M. Félix n'a rien à voir, il n'a pas besoin d'aller rencontrer Kabila. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est une dame de la présidence qui l'a si bien dit. Le FCC est désormais dans l'opposition. Crise politique cache FCC, c'est le cours de Baba Kyungu. Mozuto autopsie les consultations, considérant Fatshi comme une partie de la crise. Et puis, scellé à la Gouli, ma vocation n'est nullement de freiner l'action du président, mais de respecter les lois des finances publiques pour l'intérêt de toute la nation. Si seulement on pouvait, moi je le dis toujours, hein, si seulement on peut nous donner ma correspondance. On m'a raconté l'histoire d'un ministre qui est arrivé au pouvoir. Hein, un ministre, je ne citerai pas les noms, mais bon, comprenez bien mon compte. Le FCC a envoyé, moi je vous dis des choses authentiques, hein, authentiques, c'est à vous de vérifier. Le FCC a envoyé des noms. Le nom de ce monsieur s'est retrouvé dans C à Bakombo Nyos.
Alors, lui, sachant que son nom était Nassé, donc ce n'était pas le choix, alors il appelle les gens du FCC. Pardon, de cash, c'est proche du président. La maladresse de ce monsieur, paniqué, il n'était pas sûr, il m'a parrainé. Alors, il commence à faire des messages dans ma Ndeko, il y a cash. En tout cas, Bobby, sa président. Grâce à la commune, là, vous garantir, intérêt, là, et il a envoyé des messages, Malheureusement, pour lui, tous les messages sont stockés. On les a. Alors, maintenant, aujourd'hui, quand il commence à faire des histoires, Baptiste, il est quand même extrait. Il y a un message. Il dit, ah, tu te rappelles de ça? Et c'est trouble, Mbamoko. Un seul message, Batindele a transféré, capture l'écran. Atalika a dit, il s'est retrouvé deux jours dans la TV. Et je crois qu'à la lueur où vont les choses, ce qui monsieur a se calmé, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais si ce monsieur ne se calme pas, na Congo besoin de capture d'écran. Capture d'écran. Na numéro naï. Na ba message naï. Nengazo koma. Nengazo senga. Et là, il n'aura pas que de problème avec le cash, mais il aura véritablement des problèmes avec son parti politique parce qu'il a dit des choses. C'est ça l'inconvénient de ne pas être un homme d'État. Vous ne pouvez pas, parce que vous voulez avoir un poste politique, raconter des choses. Na parti nabino. Tala koutou bango boy, tala koutou boy, tala koutou boy, bisous zalaki boy, tala koutou zalaki moutou place tel, tala mwanando sala, nako aide. Aujourd'hui, et comme il bongo. Mesdames et messieurs, tout eux qui sango, il y a passeport Ekiti. 99 dollars. C'est vrai. Moi, je ne suis pas de ceux qui crient tout de suite. Ah, c'est une bonne chose, Je dois vous rappeler ici. Il y a toujours un écart entre ce que l'État dit et ce qui est fait sur terre. Je dois rappeler Bino que passeport dans le Kabila, et ça a 300 dollars. Et ça a acquis 185 dollars sur la microcité. Mais c'est dans la pratique, ne pas nos passeports, ne pas nos passeports, tu n'as pas 300 dollars sur la pressé. Si tu es pressé, tu veux l'avoir rapidement, tu as 300 dollars. On avait créé trois administrations. Une administration express, ça veut dire l'élo, zui. On a vu qu'on a 350, 400. Une administration assez rapide, au gros, en gros, dans deux jours. Là, l'administration la plus lente que possible, on a bateau banimi. Je vais mettre la moi, je vais mettre la moula, je vais mettre la cima. Je vais vous foutre 185 dollars. Moi qui vous parle, j'ai eu mon passeport à 300 dollars. Il y avait une urgence et dans un passeport, on a 300 dollars. On te dit clairement que, messieurs, ton urgence là, au gola là, ouais. Le gros dans l'urgence, passeport 300 dollars. Mais beaucoup plus, c'est une quittance, t'es. Bon, on peut s'en des charges, t'es. Qu'est-ce qui va prouver qu'il y a foutu? D'abord, on te dit, va payer normalement. Non. Au foutu, non, normalement, dans la banque, normalement. Aux yeux bordereaux, on a le droit preuve de paiement. Ce qu'on t'en goye, n'est pas bandit, ma démarche. Il y a 100 dollars à l'icolo. La question que nous posons au président de la République, est-ce qu'on a 100 dollars au PCBISO, passeport, ou ana? Tokozo, on a 100 dollars, il y a solo. Tokozo, on a 200 dollars, ça veut dire que tu foutu 100 dollars, il y a la pratique, il y a un peu de mieux, Nakawana. Ça ne servira absolument à rien. Parce que s'il faut payer ma frais connexes, et la, pratiquement le double, y a, disons, et la ndenge moko, nambongo y a achat et le Congo, alors on n'a rien fait. Donc on comprend ici, il faut détruire d'abord ces administrations parallèles ouana. Et malheureusement pour la bango, bato salarango, et heureusement pour la biso, bato tolingimbo que changé, bato salarango, toebi bango. Ceux qui font ces choses-là sont connus notoirement. C'est-à-dire que banque a sauté au point que tu n'as pas de numéro. Donc si vous voulez démanteler ces réseaux-là, je suis convaincu que vous ne prendrez même pas deux jours pour démanteler les réseaux. Vous ne prendrez même pas deux jours. C'est ik nunk. Ici et maintenant, ça change. Mais ceux qui te continuent la logique, c'est vrai. Le prix du passeport est à 9 dollars, ce sera beau. Tu as le cas France K, peut-être n'a dit trop moins cher. Je crois qu'il y a la France, mais à la limite, ils ont compliqué. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément. Bolobi, ils ont 99 dollars. Bolobi, t'es qu'ils ont 99 euros. Est-ce qu'en France, Bolobi n'a pas fait bon? Parce que comme on va changer, Bolobi, on va 99 euros. On n'a pas dit euros, on a dit dollars. Donc, ce qu'ils ont 99 dollars, c'est qu'en euros, ils ont 84.
84, 83 euros, je ne connais pas trop ma calcul. Est-ce que vous avez pris en compte toutes ces choses-là? Il est bien de donner un prix, mais maintenant, appliquer le prix, on a commis autre chose. C'est bien pour nous parce que tout le monde aura un passeport. Au moins à 100 dollars, l'assiette même, il y a passeport et étonne. Parce que ceux qui ne pouvaient pas l'acheter à 185 peuvent l'acheter à 95, à 99, pardon, sachant que donc ceux qui n'ont 90 personnes, n'a 100 personnes, avec 300, avec 185, vous avez 10, avec 100, vous pouvez avoir 50, 60, 70 personnes. Donc du coup, par le nombre, et vous saurez comment canaliser ça. Et c'est un motif de fierté parce que mais il faut aller un peu plus loin. Est-ce qu'il faut que Moutouza na Bungandanga? Alors on va Bungandanga tiye Kinshasa pour ne pas passeport Moutouza yangoana. Pourquoi ne pas banaliser ça? Quand je dis banaliser, ça veut dire normaliser ça. Pourquoi ne pas rendre ça facile? Na Bungandanga Moutouza na mairie a du passeport naie. Pourquoi Moutouza que nous a passeport naie na mérité? Pourquoi on devrait avoir un passeport, on a habité, comment vous allez appeler ça, chef de territoire ou tout ça? Pourquoi on ne peut pas le faire là-bas? Une autre dimension de réflexion. Pourquoi faut-il avoir des contrats avec l'étranger pour ne pas avoir besoin d'un passeport? Est-ce que nous ne pouvons pas donner ce marché à un Congolais ici? Est-ce que nous ne pouvons pas financer le projet des Congolais qui ont les idées d'imprimer des passeports ici chez nous? C'est ça aussi, donner du travail, créer des millionnaires là-bas. Parce qu'un Congolais qui gagne ce marché-là peut produire autant, tout en sachant que toutes les lois du marché ont été respectées, la règle a été respectée. Bon, Balobi qui est dans la même société, ok, dites-nous maintenant, où était l'erreur? Pourquoi est l'ongo de 185 comme 99? Pour la nini, il y a négocié qui marche dans l'Iboso. Tolingi peto yeba neti basalaka ba passeport ba bisaka biso nenga tayiko kene rubrique par rubrique. Tolingi to yeba qui gagne combien na passeport on a, l'état congolais gagne combien? Est-ce que c'est péché de le demander? Nous voulons savoir aussi l'état gagne combien, comme ça na son ba passeport on a avec fierté. N'a dit qu'en achetant le passeport à 90 dollars, l'état lui-même prend par exemple 50 dollars. Je suis bien, je suis d'accord. L'État prend 50 dollars ou l'État prend 60 dollars. Moi, le Kounetikali, intermédiaire, Kotinakati. Mais la plus grande difficulté est Kozala dans l'obtention. Nous voulons qu'il soit installé une commission, une brigade. Il y a surveillance, il y a Bilokowana. Tolingi, passeport, on a 99 dollars. Et puis, on a 100 dollars, vous me remettez mes 1000 francs, mes 1 dollar. Et comment est-ce que c'est déjà 99 dollars, mais en réalité, ça n'a 100 dollars. T'es. N'a pas 600 dollars, n'a pas 1 dollar. Il faut que tu aies un niveau d'échange des actes. T'es pas fait échanger des actes, tu changes les bandes de ta cabine. Ce qui est bizarre, parce que le 1 dollar, tout ça, il est à côté. Nous n'avons pas ici le montant d'un dollar. Ce 1 dollar, c'est un franc. Ce qui est un franc, c'est la tonine. Pour avoir fait 100 dollars, on a fait 1000 francs. Toi, tu es à 1000 francs. 2000 francs, ok, mais c'est un passeport. Donc, tu as un niveau, Anna. Ça sera une très bonne chose. Il y a un ancien bandeko, tu mets 100 dollars, tu mets 99 dollars. Pour le toboy, il y a 99 dollars dans la poche, ça veut dire 95 dollars, 4 dollars à francs. Comme ça, au comique, on peut avoir un équivalent. Parce qu'on ne sait jamais avec ces gens-là. On va faire un système, on va faire l'alimentation. Bah, tu sais, il y a 794 francs. 4 francs, on a besoin de valeur, on ne coûte même pas. Et puis, là, ce qu'on a besoin de bonbons. Pour moi, je te dis que moi, je suis en train de, manger, de prendre des bonbons ici. Donc, le problème est fait. Il faut qu'on appelle un niveau, Anna, et vous allez très bien. Le dossier du passeport, je reviendrai parce que je suis en train de faire des analyses sur la question. Il y a un autre dossier, et d'ailleurs, le dossier, il y a GoPass. Mais avant de parler du dossier, il y a GoPass. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, le titre, vous l'avez vu. Le titre, il est provocateur. Et si Félix Tshisekedi décidait d'arrêter Kabila et le FCC Mbalamoko, les gens disent, mais oh, est-ce qu'on est encore là? Si, on est là. Au moment, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé une chanson, une dame a chanté, tout ça, à l'objet, je voudrais dire un truc. Moi, je voudrais qu'on puisse comprendre un élément. Moi, je ne peux pas me mettre à commenter une chanson d'un artiste. Ce n'est pas mon problème. Mais le problème ici, c'est Ali Boué. L'arrogance d'un camp politique est zoutanelo komoko. Ces gens-là ont encore l'argent entre leurs mains.
Ils ont encore l'argent entre leurs mains. C'est au chef de l'État de décider maintenant d'arrêter ces choses-là. Le jour où le chef de l'État reprendra la banque centrale, président d'une banque centrale, à un ministère des Finances, c'est fini. Cette histoire-là, pour moi, c'est l'imbamok. Parce que c'est là qu'il y a encore des problèmes d'exonération. C'est là qu'il y a encore des problèmes de régie financière. Au papier petit, au papier vieux. Et dans l'ouana, la banque centrale est dans l'ouana, d'une manière ou d'une autre, dans le contrôle de la banque. Il faut que le président de la République se réapproprie. Comme ça, il pourra contrôler Batomusu Malamu. On avait dit ici, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'éclater les dossiers. Bafungola, ba fait de justice. Tombe un peu côté là, les crimes économiques, n'a les crimes de sang perpétrés sur le sol congolais. Arrogance, y'a Batomusu, sauté au Kouana, et aussi là. Y'a un musicien. Comme la situation qu'on déclarait bien, tu vas nous dire des maisons que tu as achetées, tu les as eu. Tant que tu as comme qu'il y a un niveau à Sokoda, qu'il y a toutes les maisons et la droit d'auteur. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, on a un bon modèle. Et quand tu as comment? Et aujourd'hui, on a un mandat qui est en train de se faire. Tu vas s'arrêter, tu vas faire calme. Rappelez-vous à un moment donné, on a un mouchi, notamment on a un peu comboté, sur mouchi. Un immeuble de 3 ou 4 niveaux. Et il fait beaucoup de bruit aussi à la télévision. C'est un politicien. Il fait beaucoup de bruit. Il faisait beaucoup de bruit. Avant d'annier, les agents, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais Christian, qu'est-ce qu'il y a? Moi qui l'ai changé, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, on a autre chose qu'on fout à arriérer. Il y a celui depuis 2 ans. Parce qu'il y a un cas qui a un sang que, il y a un impôt foncier. Les agents nous ont appelés pour nous dire, Christian, nous recevons beaucoup de passeports, des anciens passeports diplomatiques. Vous voyez que les gens, très souvent, ils ont peur. Pourquoi eux ont déménagé? Pourquoi ont-ils déménagé? Parce qu'ils ont eu peur de la honte. Mais à un moment donné, on a fait. Alors ils ont repris le courage. Je pense que le jour où on va ouvrir le dossier, il n'y a pas de ma papeur. Calmement. Si nous ne sommes pas sûrs de nos juges, on n'est pas sûrs de leur impartialité, nous pouvons demander à la justice internationale de faire ce boulot-là. On peut demander des cabinets d'experts, il y a Libanda, Bakoki Koya, avec leur expérience, avec leur agenda, qu'on retrace Bambonga Batonio Soibiman Mbokana Libanda. Je dis toujours que Félix Tshisekedi ne peut ne pas avancer ce qui a comprendre la notion de fragiliser Batomosus. Qu'on fragilise Batomosus, on va battre comme ça la Mabé. Qu'on remette à Bangana place na Bango. Na le Bango toujours, mes frères et sœurs. Moussouni ou ben nagaba fourmi. Bon, on a deux possibilités. Soit le bobo m'a fourmi, même sous Bakoya. Soit le bobo m'a fourmi, Bakoya sauté. Ici, l'hypothèse est de sortir la viande qui attire les mouches. Balongoli yango. Biloko belle tout le monde a. Balongoli, c'est belle tout le monde a. Et goza sauté. Ce n'est pas normal. Nambo kaoyo. Yo, comment qui ministre? Otika la jamais qu'on travaille dans la vie avant. Otika la jamais qu'on soit mandat. On regarde le quoi, Bisho Baoyo. Mais comme ministre, on s'est dit 4 ans dans le ministère, 5 ans dans le ministère, tu as dit que c'était une ferme à 70 hectares. Les gens devraient se poser des questions, non? Ne trouvez-vous pas? Que les gens devraient se poser des questions. Aux une bongo, on a dit. C'est alors qu'on a dit qu'il n'y a pas crédit dans la banque. On peut aller voir. Et la confiscation peut commencer à partir de là. Ce qui va se faire, il y a 2, 3, 4 personnes. Au commun, il y a des gens qui sont là. Ici, il ne s'agit pas de oh non, tokangi bango, pour la politique, non. On remet à ordre Nango. On remet à la justice la possibilité d'enquêter et de travailler sur des crimes de sang et sur des crimes économiques. Vous allez voir comment les gens vont se taire. Et pas seulement se taire, mais beaucoup vont voyager. Dans le monde, beaucoup de gens ont un cancer de colonne, ils ont un problème dans la tibia, ils ont un problème dans ce qui est auriculaire. Vous entendrez des maladies au cas où on a question à poteau. Vous entendrez dire ça. Parce que nous vivons avec, excusez-moi de le dire, des criminels économiques.
Nous vivons avec des criminels de sang. Et nous vivons avec des criminels historiques. Batouana Bazali, malheureusement pour nous, il se retrouve dans les institutions en train de travailler. Et la justice se tait. C'est pourquoi nous demandons que Batouba Mekanto Kolamouka, entreprise Mounen Loga Jekami Neko Koyakana Balouenge Boita, entreprise Mounen Jekami Neko Fanaga Boite, et puis Mouton Jeragi Jekami, avant d'y faire tranquille, on ne lui pose pas de questions parce qu'il est intouchable. Non! C'est à nous de le faire. Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, il faut inculquer notion voilà, que on ne fait pas la paix na bato balingi kimiete. Bato balingi kimiete, il faut pas dire devant leurs responsabilités historiques. Comme vous voulez donner beaucoup de leçons aux gens, allez-y. Ngana bisabi na denosa ki awa. Un monsieur d'un parti politique, à sa chef d'un parti politique moko. Il est à la tête de 52 je veux dire 99 entreprises minières qui ne payent pas ma taxe na bango. Ba yo sommet 9 va donc coûter 9 milliards de dollars. Va sommer en gros. Va foutre 9 milliards de dollars. Va t'en rappeler, va dire qu'on va foutre. À un moment donné, piouf. Va relâcher tous. On dit, mais c'est quoi l'affaire? Une dame qui fait de brouillard. Elle est Moutoumounen, n'a qu'à sa société, mon corps. Oh, elle foutit mon ou elle est tâtée. Je vous parle des millions et des millions de dollars. Mais attaquer, on laisse tomber. Oh, ce n'est pas encore le moment. Mais ce sera le moment quand? Maman, vous allez à quand? Vous ne pouvez pas pleurer de la gratuité alors que 9 milliards de dollars, il y a mort ou la bilan, est entre les mains de ces gens-là. Non, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Ndeko, nabare, naba makamboa mine wana. Namakamboa mine. Est-ce que Boyo qui m'a aux États-Unis à lobby déjà? Les gens n'ont pas compris l'attitude de Donald Trump. Hein? Donald Trump, avant de partir, était clair avec Félix Tshisekedi. Très clair avec lui. Son administration, très clair avec lui. Vous logez des criminels internationaux. Et pas Nabino Kuna. Bah, il y a ma Kuna. Bah, ça, on a, ils m'ont dit depuis ton botama makabo salimi ton monde nante. Mutumoko na 2008 ba signé contrat en tant que comboté. Ba signé contrat. Il y a makabo mine. Il y a 100 ans je crois, 100 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer contrat à 100 ans d'exploitation. Attaque au bino makata ba brada yango. Yango zambuka na bino, to zambuka na bino te. Po eloka bongo ko salaka na o yango yambuka na te. Ça veut dire que nous tant que toujours que le coufa coufa ah wa bango ko préparer à venir ya bana na bango. 100 ans. Bah, vous exploitez pendant 100 ans. Pour quelle contrepartie, les amis? Et le côté. La poche à bâton, et ainsi de suite. Pour les amis, parce que Batomoko, Bavandi, Balingi, Koyo, Kate, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas changer et ils ne veulent pas faire changer les choses. Alors, les questions qu'on devrait se poser. Tant que nous avons eu Kabande Koya, FCC, moi, parfois, ça m'étonne. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu, mesdames et messieurs. Nathalie a dit la réflexion, oh, mais elle nous pousse à nous moins d'âme. Bandeko, est-ce que vous avez au moins que 96-2018, on peut parler de 23 ou 24 ans. 24 ans. Ça veut dire depuis Mboka Oyo et Yeba Bakabila. C'est-à-dire le clan Kabila. Topé l'Afdel, depuis que ce pays a connu clan Wana, nous n'avons jamais eu le sourire. Il y a qu'on a l'habitude, nous sommes ensemble. On n'a plus jamais eu le sourire là. Fait des ans, on n'a pas dans Oba Botami, on a 1998. Tile et l'Oba, on a 22 ans. Atikal, Aoka, Aka, on a Est, Guerre, Ezalak. Et il y a qu'à l'issue de Moutou, on a dit que Ezalak a Bongo depuis longtemps. Non. Moi, je suis né à Goma. Je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. N'ayoka massa cité. Je n'ai jamais entendu de réfugiés dans ma film. C'est en 94 lorsque les réfugiés ba Longwe, ba Okima, ba Rwanda, ba Zoya na Goma, ndé na moni pour la première fois de réfugiés. Mais avant je ne le voyais pas. Je ne savais pas qu'ils existaient. Mais aujourd'hui tous ces enfants qui sont nés à Goma à partir de 2000, à partir de 98, 99 n'ont vécu que dans ça. Ils ont été accueillis par des coups de balle. Alors vous allez me dire que dans le contexte, c'est la génération Afdel. Bato Bélé, c'est la génération Afdel. Bato Bato Kota, groupes armés.
tout le monde qui a une image. Tant que les jeunes ont une raison que ça va arme. Regardez l'âge de ces jeunes gens-là. Ils ont 22 ans, 23 ans, 24 ans. Mais c'est la génération de l'Afdel. Génération et Afdel Yangoana. Bazali ba rebelle, pour la plupart des cas, bazaba rebelle, Moussou bazaba kuluna, Moussou bazaba fille qui avorte, Moussou bazaba fille prostituée. T'as la génération Wana. Quand Moussou Kate, regardez à quoi ressemblent les enfants de 24 ans, de 25 ans. Toi qui Moussou Kate, tu as 30 ans. Parce que lorsque Moumoutou part, tu as qui Moutakien en 97, mais mettons à partir de 90. Parce que le règne Moumoutou, celui-là qui est dans 90. Prenons 90. Pile et l'eau. Bano bazaba 32 ans, 30. Mais c'est la génération de l'Afdel. C'est la génération Afdel. Le gros de leur vie, bah, ils ont eu le mambo Afdel. Mais ils ont eu quoi? Déphasé, détruit, déconcentré. Les parents, bah, ils ont eu le mambo chômage, bah, ils ont eu le mambo difficulté. Ebele na ebele. Aujourd'hui, bah, on a battu l'ennemi. Perdu. Ebele va tanguité. Bah, tout le monde a balabala ou bakoulou, tout le monde a balabala ba chege, ou ba sans abri, tout le monde a pour la plupart des cas. À l'époque de Mobutu, ce n'était pas le cas. Et Zalaki, mais Zalaki, le modèle, on a été. Alors, tout ça, vous allez mettre ça au nom de quoi? Quand le docteur Mukwege parle du rapport Mamping, le docteur Mukwege ne parle pas d'un homme en particulier. Les docteurs parlent du rapport avec M. Rapport, encore que ce n'est pas lui le rédacteur du rapport. Le rapport, c'est une compilation, il y a Biloko Bélé. Oh, ben, il y a l'autre Fungolango, mais pourquoi ça peut créer des problèmes? Non, moi je crois à un moment donné, Tolingi Bissomogu Zalabongo. Monsieur le président de la République, je crois que Binomon de Bolingi est Zalabongo. Parce que Moukolo pour décider qu'il bloque un si là, tout le monde a clair Nango, bon, on a m'amener à changer Bélé. Tout le monde a dossier à plaque d'immatriculation. Avant la côte, il y a go pass. Plaque d'immatriculation. Nam y a fournisseur, il y a plaque d'immatriculation dans le Congo. Avant marché, on a le lengeni. A compétition, ça qui n'a pas nan. Banani va pour la qui. Ning est que yende a zoyango. Bon, et foutre à la combien? Et quand tu as combien en bouc? Est-ce qu'on peut voir ça? Combien est-ce qu'on a en bouc? Et quel est le mécanisme que vous mettez en place pour le côté là, effectivement, plaque à plaque à Congo? Parce que nous avons deux voitures, nous avons la plaque T. Nous avons une plaque moko, la colonne n'a pas de tambour, la zone n'a pas de tambour, la zone n'a pas de tambour. C'est la ligne. Donc, il y a un modèle qui a beaucoup de services. Tout ça, dans le dossier, il y a GoPass, on a le bien. Le dossier à GoPass, c'est depuis 2008, au cas où les gens oublient. Il y avait à l'époque un Mundele Bachakaewana. Ce Mundele-là, Bachakaewana, pour résoudre le problème, il y a mes gestions et ainsi de suite. Mundele wana dala ki na DG o ya lelo o ya ke makala bilenge wana DG wana tanga koi bilenge ba ba ba, ba koti si bilenge or bilenge dala ki revoke ala ki revoke na na par Laurent Désiré Kabila mais le ko la notant ko boté mouto portefeuille azongi sa ki wana dossier ya gopa se bandi pona nini basali constat le constat était bien nous n'avons pas d'aéroport. Pendant 32 ans de Mobutu, il n'a pas créé de bons aéroports. Et bien, aéroport, comment qui? Il y a Kala. Bah, piste, il y a un avion, qu'on ne va même pas. Chez moi, en Bandaka, par exemple, il y a un peu. Je crois que M. Bouchab, je crois. Bouta Kinshasa. Il ne voit pas la piste. Il fallait qu'on ait mis tout le monde, torcher Bangoana, tout ça. Mais si il m'a ajouté, M. Bazonga, M. Bafoussa, qui était dans le modèle. Est-ce que vous imaginez Bablo comme modèle on a? Combien de fois les avions ont refusé d'atterrir dans Mbujimayi parce qu'il y a une praticabilité à Yannine Zali? Est-ce que Bobi qui est Balabala Moussousou et qui piste un abisson na Lys? Balabala Pena et Balabala, ou Mitu Kelekak. Mais l'équipe va piste un avion Moussousou na Nîmes. Il y a un monde qui a somme d'acquitter un aéroport à Mabetra Maboko. Parce que Bobi qui est un cimetière, il y a du colo quoi. Avion, Pena, avion, Matin, avion, Mondou, Matin, Gombol. L'icambou n'y a avion. On dirait l'ingé longwa, on dirait. Ça doit même que bagarre la licola avec l'ingé olipa. Pourquoi que long? Autour du peuple pilote, n'a pas hôtesse. Tu vois, pourquoi nous sommes les amis? Hôtesse, mon peuple. Ah! Bon, le gars, on va t'en avion, on s'est tout en demi caca. Mais tout le monde est là, hôtel a ma film. On va pas te vendre un avion, bah tranquille. Mais on a mis sur la tic, l'icambou n'y. Oh, mon truc, c'est que c'est un ami, mais. Il y a un travail à 100 jours, il y a un côté. Non, mais parce que c'est impossible à croire.
Alors, on a mis le GoPass pour permettre à ce que va construire l'aéroport Yassika. Moi, j'ai eu la chance, dans le travail, dans le travail, un aéroport à Beni. Il y a un aéroport à Bounia. Mais excusez-moi de vous dire, il y a un aéroport par pideur. Tout le monde a un aéroport pour un pideur cac. Mais ça n'a rien des aéroports. Rien du tout en tant qu'aéroport. Est-ce que vous imaginez le modèle là? Le GoPass, GoPass. Il fallait permettre à Bissot de tourner à l'aéroport. Et permettre à Bissot d'améliorer ma condition. Il y a infrastructure dans Bissot. C'était l'objectif. Quand on a un aéroport à Njili, quand on a comment on appelle ça, TV, écran. Mais quand M. Koufa, écran est Koufi. C'est-à-dire, on a le programme, il y a le Kenge. Donc, on a le capot, parce que sinon, c'est compliqué. Pourquoi ça? Pourquoi? Pour que tout le monde soit bon à l'État, on ne va pas à la Moussala, on est Sengeli, on va aller à la Moussala. Canalisation, c'est un péché. Vous ne devez jamais demander la question, bon, le Ngo, ah, et qui est-ce? Balongoli mbongwana na kozona maboko boy comment qui kozona na banque. Oh non, parce que ça dans une banque pour ça crédit. OK, les crédits que vous prenez dans la banque qui na wapi, ça la gagne exactement. Crédit à banque comme nous bozoka, ça sert à quoi? En fait, dans ce pays, on nous a pris pour des petits enfants en fait. Ces gens-là s'amusent avec nous. Quand ils nous regardent à la télé, ils disent des rêveurs. J'ai rencontré un monsieur dans une fête qui m'a littéralement insulté. Un chef. Et j'étais sexing à peine. Ah, tu crois que tu vas changer le Congo avec ce que tu dis là? Tu n'as jamais touché l'argent. Et il me dit petit. Tu n'as jamais touché l'argent, petit. Aussi mal en bon côté. Mais le gros bana il va bien, petit. Mais je recoute là-bas mon temps. Vous comprenez le thème, Mambo ça. C'est un monsieur qui est malheureusement malade, je crois. Il est malade, mais bon, il s'ignore. Et il pense que tout le monde est comme lui, quoi. Comme lui, il s'est capitalisé pour Mbongo. Il pense que tout le monde est comme ça. Voilà, à force de faire le mal, on croit que tout le monde fait le mal. C'est ça le notre plus grand malheur en Mbokao. Nous disons ici qu'il y a lieu d'arrêter ces bêtises. Il y a lieu d'arrêter l'arrogance. Il y a un de Konabi Soana. Ils arrivent au Fungola la justice ici. N'habitez pourquoi l'autre camp a peur au Fungola la justice. Je ne sais pas pourquoi. Ouvrez simplement le dossier, vous serez étonné. Babylon, on a mis dans la banque commerciale. Dans le banque, on a déjà une banque commerciale. Il y a des choses. Mbongo, ben, porte à moi un billet. Mbongo, faisait la transaction. Mais allez voir à l'RVA comment, pardon, l'aéroport, on a une banque qui est là. Non, moi je crois à un moment donné, c'est nous qui. Nous sommes à la base de tout ça. Le jour où on voudra que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Mais tant qu'on n'aura pas décidé, ça ne s'arrêtera pas. Merci d'avoir été nombreux de suivre cette livraison d'aujourd'hui. Je crois que demain, on reviendra avec beaucoup plus de détails. Je suis en train d'analyser le dossier de Dan Glatter et j'en parlerai suffisamment avec profondeur. Dan Gettler. Je vais en parler suffisamment demain parce que j'ai tous les éléments déjà, je crois, des éléments suffisants. On va discuter pour voir un peu son rôle là, dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a joué comme rôle? Qu'est-ce qu'il a fait comme rôle? Qu'est-ce qu'il a été? On a tous les éléments. Et je suis motivé, beaucoup plus motivé, par la décision de la Cour de la justice américaine, rendue le 11 novembre. Je suis très, très, très motivé par cet article-là. Et non, mais c'est fabuleux, quoi. Et aussi l'article de 50 Canadiens... Nakati il y a entreprise minière au Basala qui je veux dire délogé quoi. On en parlera, Et mais il y a aussi des livres comme le livre de Katumba Mwake, Ma part des vérités. C'est un excellent livre. Il y a les rapports Lutundula. Il y a beaucoup d'éléments quoi qui ont en place pour qu'on ait réfléchir froidement cette question là. Pas pour charger un camp ou pour charger un autre camp, mais c'était pour dire ma version à moi, mon analyse à moi sur cette question là. Merci de nous suivre. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Afrique, Union. Mais quand tu es un gagnant, il y a
Don't do it.